d'un bord.奴らは奪い取る家庭定食固定給抗うこともできず俺は全てを失うそして俺はまるでダメなおっさんになったあいつらは奪い取るだがダンボールの神様は与えてくれるダンボールは姿を変えてベッドになるダンボールは夜の寒さを遮ってくれるダンボールダンボールの神様ダンボールルルルルル俺は静かに目を閉じ眠った Salut Tara! Quoi? Ça? Bah oui, faut bien marquer le coup pour parler du meilleur personnage Clodo, tout manga confondu. Bienvenue dans Gintaverse, l'émission qui s'intéresse à un malheureux dadais obsolète. Hasegawa, ou Madao, ou le vieux sage, ou le grand monarque, le Christ cosmique... C'est Sylvain Pierre Durif, ça. Ah merde? Bon, tant pis, ça reste un Madao. Est un personnage très atypique dans l'univers de Gintama. Il n'entre dans aucune case, mais tout le monde le connaît. Et contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas parce que tout le monde te connaît que t'es badass. Enfin, si on s'arrête à son visage sérieux avec les lunettes et sa clope, ça passe. Mais dès que tu le vois avec ses fripes, en train de se faire martyriser par son patron alien ou par des gamins dans la cour d'école, tu comprends vite qu'il n'est pas là pour se battre avec les autres. C'est contre la vie elle-même qu'il se bat à longueur de temps, et c'est aussi marrant que triste à suivre. Hasegawa, c'est le perso parfait pour servir de victime dans de nombreux running gags, parce qu'on est une bande de sadiques. Et ça, Soralchi l'a bien compris. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est l'un de ses personnages préférés. Mais voyons ensemble le parcours de ce... Contrairement à l'animé, Hasegawa apparaît dans le manga avant Kagura, donc dans la courte période où Gintoki et Shinpachi bossaient à deux. Ce dernier était chef du bureau de l'immigration, un poste prestigieux qui lui a été offert par la famille de sa femme, Hatsu, la famille des Hasegawa. Tu me suis toujours ? Les Hasegawa étant une famille riche, d'un rang social bien plus élevé que celle de notre clochard à en devenir, au terme de leur mariage, c'est lui qui a pris le nom d'Hasegawa et par ricochet du rang social et du prestige de la famille d'Atsu, lui qui descendait d'une famille de samouraïs bien modeste. Mais sa rencontre avec Gintoki lui sera fatale, au terme d'un contentieux sur la mort d'un animal de compagnie, gros guillemets. Il va coller une dérouillée au prince Hata, un extraterrestre particulièrement énervant qui mettait la vie en danger d'autrui pour une pieuvre tentaculaire géante capable de détruire la ville. Pas de blague sur l'hentai aujourd'hui. Tu sais que t'as pas de tabac, non? Ouais, mais je fume pas, donc je fais ce que je peux. Suite à l'incident, il décide de suivre son propre Bushido, comme Gintoki, mais malheureusement, il est très vite rattrapé par la réalité. Son employeur le condamne à s'ouvrir le ventre, alors il prend peur et s'enfuit du gouvernement. Sa femme, prise dans la disgrâce, le quitte, et c'est là qu'il se retrouve à la rue et qu'il tombe sur Kagura, qui lui donne son fameux surnom de Madao. Et à partir de là, on a enfin le personnage qu'on connaît bien dans la série. Le pauvre gars qui joue de la malchance et qui enchaîne les petits boulots merdiques à droite à gauche pour se retrouver au point de départ à la fin de chaque épisode où il apparaît. Un coup, il va faire chauffeur de taxi, une autre fois, il va bosser comme agent d'entretien dans une grande entreprise, maître nageur dans une piscine, préparateur de sushi, bref, il touche un peu à tout. Et là, normalement, tu te demandes à quel moment la vidéo va devenir intéressante. Eh bien, t'inquiète pas, on y vient. J'ai volontairement omis un petit détail qui revient à chaque fois que le personnage apparaît en dehors des running gags sur sa poisse, c'est sur le pourquoi il n'arrive jamais à garder un travail. Et là, on entre dans un sujet sociétal, beaucoup plus dense et complexe qu'il n'y paraît. Quand il a perdu son job de chauffeur de taxi, c'est parce qu'il a pris position pour emmener une femme enceinte à l'hôpital au lieu de transporter un abruti de prince au zoo pour s'extasier devant les animaux de la Terre. Quand il s'est emporté à son entretien d'embauche, c'était pour permettre au candidat qui passait derrière lui, un autre Madao dans sa situation, à obtenir le job à sa place pour qu'il puisse retrouver sa famille.
Et on arrive progressivement à pourquoi c'est un personnage aussi important. Le mec est un déchet pour tout le monde, mais il passe son temps à prouver sa valeur en aidant ceux qui se retrouvent dans la même situation que lui. Et c'est à cause de sa gentillesse que Mado reste Mado jusqu'à la fin du manga. Il apparaît dans beaucoup d'arcs du manga, mais il y en a très peu, mais alors très peu, où il se distingue réellement, car il pèse sur lui l'image comique du vieux clodo inutile à la société qui est juste bon à se pendre. Mais s'il y a des histoires que je vous recommande, c'est déjà l'arc du procès d'Azegawa, les épisodes 94 et 95, dans lesquels on le voit vraiment, mais alors vraiment au bout du rouleau, alors qu'il venait à peine de se remettre de sa situation. On y rencontre enfin Atsu, sa femme, et surtout on voit Gintoki se démener pour prendre sa défense. Même si c'est par sa faute si Azegawa est devenu Madao, on voit bien que leur amitié est vraiment sincère. Mais s'il y a un épisode dans la série qui résume parfaitement l'esprit samouraï du personnage, c'est l'épisode 248 avec la parodie de Slumdog Millionnaire. Un épisode vraiment très émouvant, car on enchaîne les surprises sur les actes du personnage. En gros, il sauve la vie d'une gamine qui a attrapé une maladie grave. Bon ok, le résumé n'est pas terrible, mais il faut que tu regardes cet épisode. Mise en scène parfaite, suspense haletant tout le long, limite les questions t'en as rien à foutre, tellement le scénario il est bon. Si tu me demandes lequel des persos de Gintama représente le mieux le samouraï, tu me répondras sûrement Gintoki, ou Ijikata, ou Katsura, ou Kondo. Mais pour moi, ça restera toujours Azegawa. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu l'auras sûrement noté, mais tout au long de l'œuvre, Gintoki fait passer des messages, des leçons de morale, dit vulgairement. Et ben, il y en a une qui revient assez régulièrement. C'est quand il dit que ce n'est pas le sabre qui fait le samouraï, mais son âme. Et ça tombe bien, parce que le manga signifie en français « âme d'argent ». Mais bon, je dis vague. Vague. Azegawa représente une certaine forme de sagesse, que Gintoki lui-même n'a jamais connue. Il a été au top du top dans la société, puis s'est retrouvé dans les bas-fonds, avec tout ce que cela implique. C'est un personnage qui souffre en permanence, et les rares fois où il ne cherche pas à mettre fin à ses jours, c'est pour empêcher que quelqu'un ne fasse les mêmes erreurs que lui. C'est un pur altruiste qui n'hésite pas à se mettre toujours plus dans le pétrin si ça peut aider quelqu'un. Si les Yorozura rendent service aux gens, c'est loin du niveau humanitaire d'Azegawa. Et comme je le disais plus tôt, personne ne lui rend bien, mais tout le monde se souvient de lui. Bon après, il a ses déboires, hein. En plus d'être alcoolique et fumeur, il passe son temps à jouer au pachinko avec un frisé au regard vide. C'est un gros fainéant qui est incapable de se donner les moyens de décrocher un boulot, car il est trop attaché à ses lunettes de soleil qui lui portent préjudice lors de ses entretiens d'embauche. Bon après, il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, il passe pas uniquement son temps à pleurnicher sur son sort. D'ailleurs, avec le dernier arc du manga, je me suis dit qu'il pourrait peut-être finir bien à la fin quand même. Parce qu'il a eu une évolution intéressante. Jusqu'au moment où il se fait juger pour avoir écarté les jambes d'une dame. Bah quoi, c'est Gintama hein. Il s'en sortait encore assez bien. À chacune de ses apparitions, il avait un nouveau travail, ou il en cherchait un, et il tentait vraiment d'améliorer sa situation. Dans un second temps, après le procès, on le voit de plus en plus désespéré au point de le voir faire des tentatives de suicide. Mais heureusement, il y a deux ou trois événements qui vont lui redonner courage. Déjà dans l'épisode 188, où il aide un gamin à retrouver son père qui avait fini Madao comme lui. C'est la première fois qu'on fait preuve de reconnaissance envers lui, et on voit bien que ça le touche. Et enfin le fameux épisode 248 qui parodie Slumdog Millionnaire, où il joue à qui veut gagner des millions, non pas pour lui-même, mais pour payer les dettes d'un père de famille responsable. Tout ça pour finir par escroquer les enfants du parc en leur racontant des histoires d'épouvante. J'avais bien dit qu'il était pas parfait. Et au tout début de l'arc final, attention spoiler pour ceux qui ne regardent que l'animé, gros moment de badacité charismatique qui m'a fait complètement oublier qui est le héros du manga. On découvre que tout l'argent qu'il a durement gagné au cours du manga a été enseveli sous terre. Et ce qu'il en a fait ? Il fait don de sa fortune au bureau des Yorozura comme paiement pour tous les habitants d'Edo qui sont à nouveau envahis par des extraterrestres. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça ? Trouve-moi un personnage plus balèze dans ses actes. Et je ne parle même pas de ce que j'ai ressenti en le voyant en costard du bureau de l'immigration tenir tête aux extraterrestres. Je pourrais vraiment devenir vulgaire. Personnellement, je suis pas hyper fan du dernier arc du manga. Il y a beaucoup trop d'impératifs de scénario, le fait de tout boucler, la bataille qui dure des plombes. Mais le début, en revanche, les deux premiers chapitres, ou alors le premier épisode quand ça sortira en animé, perfectly. Et pour une fois, je vais sortir de ma pseudo-objectivité pour faire mon compte fanboy. À la fin du manga, j'en ai rien à foutre de savoir si Gintoki, Tsukuyo ou Kagura Sugo finissent ensemble que je peux le voir dans les réseaux sociaux à peu près tous les jours. En revanche, si Sorachi se foire avec Azegawa, c'est mort, c'est fini. Déjà que c'est le seul personnage qui mérite vraiment, mais alors vraiment, d'avoir son happy end à lui. Bon, je vois bien que, bon, au début du dernier arc, il aurait pu crever, voilà. Je me suis dit, à la manière dont il a été traité, ça pourrait être intéressant de manière scénaristique, parce qu'au moins, on aurait pu foutre la pression sur Gintoki et les autres, et voilà, c'est toujours bon. Mais maintenant, c'est trop tard, voilà,
C'est de loin le personnage qui a le plus de mérite dans la série, et c'est d'autant plus couillu que c'est pas un combattant. D'ailleurs, il ne se bat jamais. Madhouse, c'est juste un vieux chômeur à la rue de 38 ans qui a été abandonné par sa famille et qui a trouvé refuge dans les bas étages de la société. Peu importe s'il ne sert à rien ou s'il enchaîne les bourdes qu'il enfonce toujours plus profond, c'est un personnage qui ne laisse personne indifférent. C'est quand même le seul personnage de la série à avoir des relations dans toutes les castes existantes. Il est pote avec les Yorozura, le Shinsengumi et le Juirishi, en faisant référence à Gintoki, à Kondo et à Katsura. Et c'est pas parce qu'il aurait le charisme ou le leadership d'un Gintoki ou d'un Kondo dans la situation critique, mais bien parce que quand tu es au fond du trou, tu ne peux que remonter. Madao, c'est un personnage qui a les meilleures valeurs au monde, mais qui ne les appliquera jamais pour lui-même. Et mettre en scène un clodo suicidaire humaniste qui ne se bat jamais dans un shonen, eh ben... Merci, Sorachi! Que dire de plus? Le personnage d'Azegawa a originellement été créé pour servir de quatrième membre au Yorozura, place qui sera finalement distribuée à Sadaharu, parfait dans le rôle de mascotte. Azegawa devait alors représenter la part de sagesse du groupe, apporter son expérience dans la vie pour aider les Yorozura. Et si tu regardes bien, ce rôle a été attribué à Gintoki, alors que les héros de shonen sont généralement plus naïfs et ingénus, comme les fans de Sao qui croient avoir sous leurs yeux l'ultime chef-d'œuvre. Lol. Et si tu ne me crois pas, fais le parallèle avec Shinpachi. Leur rencontre avec Gintoki leur a coûté leur travail, travail qui était difficile de supporter moralement. Shinpachi a rejoint Gintoki sur un coup de tête. Alors pourquoi Azegawa n'aurait pas fait de même? Bon, après, pour la seconde lecture, si tu as eu des échos de ce qui se passe dans la société japonaise actuelle, tu dois être déjà au courant, mais dans le doute, on va faire une petite piqûre de rappel. Le Japon n'est pas un pays dans lequel tu vas t'épanouir en vivant à la cool. Il y a pas mal de mangas qui te parleront beaucoup mieux que Gintama des dérives de la société et de sa jeunesse, comme l'excellent manga GTO et ses suites et préquels que je vous recommande vivement. Au Japon, le système éducatif te fout une pression constante sur le dos pour que tu sois le meilleur en toutes circonstances. Alors, avec l'arrivée d'internet et tout simplement l'ouverture sur le monde, les jeunes commencent de plus en plus à se rebeller contre le système, en profitant davantage de la vie plutôt que de reprendre l'entreprise de leurs parents, ou de bosser dans une boîte merdique pour avoir à peine de quoi vivre décemment. Là où je veux en venir avec Azegawa, c'est qu'il est un exemple typique des Japonais qui connaissent le chômage, passé un certain âge. Beaucoup finissent à la rue et meurent dans l'oubli, mais c'est un sujet qui n'est que très rarement traité chez nous, alors qu'on préfère se focaliser sur ce qu'il y a de bien au Japon. A titre personnel, je m'y connais pas assez pour baser un avis dessus, mais faut bien avoir conscience que ces dérives existent, et que c'est loin d'être des cas isolés dans le pays. Alors quand je vois des gens dire qu'ils vont bientôt partir habiter au Japon, sous prétexte qu'ils aiment bien la culture japonaise en lisant deux ou trois mangas, ça me fait bien rire, et ça me fait de la peine aussi. Mais bon... Je suis sûr qu'au fond de toi, tu connais la vérité. On est tous des Madao. Allez, Jana. Et pour une fois, je passe par là. Prochain Gintaverse sur... Les références historiques.